Et yo les gamers, les gamers, c'est Boubios, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui on se retrouve sur 7 Days to Die, 7 jours pour mourir. Un petit jeu de zombies, donc je vais commencer une petite game. Je pense que je vais faire plusieurs petits épisodes de, je sais pas, à peu près 15 à 20 minutes, on va voir. Hein, pas trop long non plus, que vous n'ayez pas trop de temps à supporter de moi. Hein. Donc on va commencer par les débuts bien sûr. L'intro. Donc j'ai déjà fait quelques parties, je commence à avoir le jeu un petit peu en main. Bon, je ne l'ai pas encore totalement, mais ça va, je gère quand même. Donc, je pense que dans la série que je vais vous lancer sur YouTube, je ne serai pas tout le temps seul. Là, pour les débuts, oui, je vais être tout seul, mais de temps en temps, vous aurez la visite certainement de Hiromax, Chacalvert et de Nono. Ah, ça y est, on vient de popper. Et on est en plein désert, si je pas bien. Ben, c'est même pas désert, c'est terre aride. Ok, on va commencer par collecter la fibre. On va essayer de mettre des droites correctement dans l'herbe. Hop, bon, ça c'est bon. On va éviter de se faire piquer par les cactus. Il me faut collecter du bois. On va récupérer ça déjà. Hop, des plumes. Collecter les petites pierres et fabriquer la hache. Alors, des petites pierres. Ça, je pense que ça va être trop gros. C'est quoi, c'est du bois, ça? Non, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va fouiller ça vite fait. La colle, je crois que c'est de la colle. Hein. Des petits cailloux, s'il vous plaît. Ça, c'est du bois, ça? C'est que je le pète. Ouais. Bon, le bois, c'est fait. Par contre, où est-ce que je vais avoir de la caillasse, ici? Des petits cailloux. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Ah, bah non, mais ils me font voir que des trucs comme ça. Moi, je veux de la caillasse, s'il vous plaît. Des petits cailloux. Il m'en faut. Ah non, ils mettent que des trucs comme ça. Ouais, je vais pas taper contre le rocher. Ah, petit caillou. Hop. Ça récupère. Un petit neuf. C'est de la bouffe. Ah, petit caillou. Ok, on va pouvoir créer cette petite hache de pierre. Ça, hop, c'est fait. Bon, ça, c'est le petit tuto. Hein. Hop, hop. Ok. Alors, maintenant, les habits. Yes. Putain. Pour récupérer 35. Si tu veux bien, merci. Hop, là j'ai déjà vidé, 32, 33, 34, 35, et 36, allez, hop, on va fabriquer les vêtements. Alors il me faut une petite capuche, il me faut des bottes, une chemise, des gants, et un pantalon, tac. Ça y est, ça c'est en train de se fabriquer, on va attendre que ça soit fini et on va s'équiper de tout ça. Plus que le pantalon. Allez, la construction. J'ai pas fait un pantalon. Are you serious? Ah si, il l'a pas. Hop, on va s'en équiper. Donc, mon petit personnage est un personnage de The Walking Dead. Pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Des gants. Luc, le personnage c'est Luc, hein, dans The Walking Dead saison 2. Là, hop, et ça, c'est bon, logiquement c'est good. Yes, on va passer à la prochaine étape, je crois que c'est la massue. Hein. Donc il va falloir du bois, c'est ça. Hop, voilà, c'est bon, on peut la construire. Allez là, cette massue. Hop. Fabriquer. Ça, c'est fait. Ok. On va quand même s'équiper de ça. Ça. Ok, j'adore les bugs. Alors, un petit truc à savoir sur le jeu, il est vraiment tip-top. Hein, et il est prenant. C'est vraiment du Minecraft version pour adultes.
C'est qu'il y a des mini crawlags. Je pense que vous le verrez très bien, hein, lors des vidéos. Mais ça, c'est galère, les mini crawlags. Donc il me refaut deux pierres. Alors déjà, c'est la galère pour en trouver. Il me refaut encore deux. Un petit nid, un œuf. Pas d'œuf? Oui, un œuf. Ça, ah bah voilà. Hop. Alors, ils vont pas me faire trop galérer à trouver des trucs. Les pierres, fabriquer arc de bois, collecter du bois. Il me faut des petits bois. En plus, c'est de les brindilles, mais sec sec quoi. Ok, j'ai trop du mal. Hop. Par contre, je crois pas que je vais construire ma base ici. Oh, la maison, elle est en ruine. En plus, on a des dans le désert. Bon, on va quand même la faire ici. On va pas aller trop trop loin, sinon ça va être la galère pour chercher. Fabriquer arc en bois. Allez, on est parti. Outils et armes. Non, c'est outils et pièges, c'est là-dedans. Ok, l'arc, c'est fabriqué. Et il me faut des flèches. Hop. Voilà. Ok, faudrait que j'en crée un peu plus de flèches. Faut en créer combien là, des flèches? Ok, une. D'accord. Ah, mais il faut que j'en crée une. Ok, non, il fallait que j'en fasse deux. Hop. Ok, j'irai pas très très loin avec deux flèches, mais on s'en fiche, je ferai ça après. Du coup, logiquement, c'est encore du bois. Sérieux, dans le désert, par contre, le bois, c'est pour ça que je me demande si je vais rester là, hein, parce que niveau bois, je vais pas rester là. Tiens, dégage. Dégage. Ah, il m'en faut 45, t'es sérieux? Ok, vous savez quoi? On va se barrer. Je sais même pas combien de temps j'en suis. Mais on va se barrer. On va se barrer, on va se barrer. On va pas rester ici. Pourquoi? Parce que si ça pue, j'ai pas de bois. C'est vraiment le désert. Alors la carte. Ouais, on va continuer sur la route. Je vais récupérer le bois sur la route au passage. Les petites brindilles. C'est même pas du bois, c'est des brindilles quoi. Hop. Voilà. Ça s'y fait. Des zombies qui traînent par là, d'accord. Ah ouais, il n'y a pas qu'un petit peu de... je vais pouvoir passer tranquillement les gens là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez ne pas me calculer? Ah, ils me calculent. Je vais pas kill les zombies tout de suite, hein. Nya. Bon, la maison là elle est pas trop mal, mais je vous dis, c'est le bois, ça manque de bois. Et moi, je veux pas être en galère, faire des kilomètres juste pour du bois. Donc, on va essayer d'aller là où il y a un peu plus de verdure. Donc, là, vous voyez, on commence à aller un peu dans la verdure. Donc, je pars du bon côté. On part du bon côté. Il va falloir que je trouve une prochaine maison et m'installer dedans. What? Qu'est-ce qui. What? Ah non, je pars hors zone. Je vais décéder là, non? Waouh, putain, je suis déjà hors zone. Oh la putain de sa mère. Oh la putain de sa mère. Eh ben, ça a été bien de crever des libis comme ça au calme. Oh là, ils sont sérieux. Putain, bon, ben là, on fait demi-tour. C'est cool, j'adore ces jeux. Il n'y a rien qui vous indique en fait, hein, quand c'est. Hop, la fin de zone. Oui, sur la carte, oui, vous indique bien. Bah là, je l'ai senti très vite. Hein. Eh, mais j'ai pris tarot. Bonjour les zombies. Je fais que passer. Repasser plutôt. Eh, mais j'ai pris tarif, hein, les gens. Hein. Ma vie, vous avez pu voir, elle a descendu très vite. En plus, parce qu'un petit peu. Voilà, c'est que j'ai plus d'endurance. Ce qui est un petit peu galère, en fait, c'est. Ça joue vraiment sur tout. Hein. Là, dans le désert, si vous êtes recouvert, vous allez avoir très vite chaud, très vite soif. Putain, j'ai déjà niqué ma bouffe. Eh ben, ça commence bien, on va dire. Putain, puis son galère, il peut pas nous faire spawner dans un endroit loin d'une limite de zone. C'est la troisième partie. La troisième partie, c'est ça. La troisième partie que je lance en fait sur ce jeu, où je me retrouve à chaque fois à côté d'une zone. Bah, hors zone en fait. Il peut pas nous faire spawner en plein middle. Il est trop demandé. On va fouiller un petit peu parce que je suis en galère. Une plume, youpi. Ah, une pioche, ça c'est intéressant. Ah, sac à dos. Oh, il y a pas mal de choses dans le sac à dos, dis donc. Il y avait de la merde.
Ok, on continue. On récupère un peu le bois sur la route. En plus, ils vont me demander de poser des blocs, mais les blocs, je préférais les poser dans ma maison, que je les pose pas comme ça à l'orage dans la rue. Oh putain, ça c'est du rocher, ça. Je sais même pas si c'est du rocher. C'est quoi? Ah, c'est du sable, d'accord. Eh ben, si je suis en manque de sable, hein, je viendrai ici. Bon, bah, ça a l'air d'être très bien comme intro de vidéo. Vous voyez me balader au calme. Ah, j'ai pas de la faute, hein. Les spawns sont vraiment aléatoires. Allez, un supermarché avec plein de zombies devant. Ok. C'est cool. Et bon, bah attendre encore un petit peu, histoire de récupérer l'ambiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben. On n'est pas en manque de zombies, hein, je vous rassure. Tout soit, il est déjà 11 h, il va être midi, on va se faire livrer, je suppose. Un holocopter va déposer un petit colis. Donc tous les 24 heures, à midi, il dépose un petit colis, il faut récupérer avec des choses dedans. Ça, c'est sympathique. Après, on peut fouiller partout, hein. Là, il faut juste que j'arrive à trouver une bâtisse, que je sors de cette terre aride, putain. En fait, ouais, là, je suis vraiment dans le désert, hein. C'est vraiment le désert, c'est le bordel. Et puis il y a des zombies partout. Ça a l'air de changer de texture par là-bas. Ah, dès que j'arrive dans la maison, on va se poser dans la maison. Et il dégage le zombie. Ok. Vite, 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 vite. Ah, de la bouffe. Hop, et skip. T'as rien pu faire. Ouais, la poudre, j'ai pas le temps de courir après toi. Ça va être avec plaisir, mais j'ai autre chose à foutre. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à la fin de ces 15 minutes, hein, les gens. Désolé de ne pas vous avoir montré un petit peu plus. Bon, puis de toute façon, j'ai enchaîné une deuxième partie, hein, juste après. Mais là, c'est vraiment, j'ai eu un mauvais spawn. Alors, une maison complètement déglinguée, je pense pas que je vais faire ma case là-dedans. En tout cas, on n'est pas en manque de poules sur cette map, hein. Deuxième poule que je vois. C'est pas vraiment les meilleurs endroits. Hein. On va récupérer toute la pierre. Bah, pour l'instant, hein, hop, vous avez pu voir un petit peu. Ça y est, j'ai récupéré la pierre, d'accord. Là, c'est pareil ici, il faut vraiment éviter c'est de marcher sur les braises, sinon on prend feu. Là, sur ce genre de braise-là, si vous marchez dessus, on prend feu direct. Donne-moi mon bois, toi. Ok, là j'ai du bois, je devrais être pas trop mal. On va en prendre un petit paquet parce qu'il va en falloir pas mal pour la première bâtisse. Ok. Je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé le temps que j'ai mis. Pour ce début de vidéo. Je sais pas si c'est toujours le désert là par là-bas. Ouais, c'est à la limite des deux, quoi. Hop, j'ai vu le nid. Je prends vraiment max de nid, pourquoi? Pour avoir des œufs. Quand j'aurai de la viande, en fait, un truc à savoir, c'est que le bacon, c'est-à-dire la bidoche, plus des œufs, on peut se faire de la viande bacon. Et c'est une des choses qui nourrit assez bien dans ce jeu. Ça monte assez vite votre nourriture. Donc c'est pas trop mal. Ouais, ça y est, on commence à arriver vraiment dans la terre. Par contre, j'aimerais bien une maison, s'il vous plaît. Une maison, s'il vous plaît. Qu'on trouve au moins notre petite bâtisse. Attends, de nuit, hein. Notre petite bâtisse. Avant de quitter cette première vidéo. Ah là, là, il y a pas mal de nids. Hein. En fait, j'ai envie d'aller rusher sur la maison, mais il y a tellement de trucs à découvrir, à fouiller. Ouais, il y a de la bidoche là. La bidoche gratuite. C'est cool ça. Oh, pauvre petit lapin. Paix à ton âme. Il me donnera à manger. Ah, je vais même pas avoir bouffé si je le tue avec ça. Je gagne rien, t'es sérieux? Ah, si. Bah, pas grand chose, hein. Pour vraiment, je récupère un couteau de chasse. Bon, j'ai eu deux bidoches. Par contre, maintenant, vu que j'ai de la bidoche, les zombies vont vouloir se jeter sur ma gueule, quoi.
Je sais pas si vous voyez. Allez, un cochon aussi. Ouais! Ils sont tous en train de crever ces animaux. Oh non, putain, il va pas crever.